Berry sur Plamondon. Là, il y a Senza qui est venu renverser le joueur derrière le filet. C'était la chance. Et la mise d'avant, super barret de Nathan Darvaux. Voilà, Henneberry pressé par Courtois. Tente de remettre. Attention, ça apparaît dans la clave. Tire à bout portant, c'est bloqué. Et les Tigres reprennent. Voilà Bourque qui remet. Sur... Et une rondelle qui était bondissante, repris par les Cataractes. C'est Forget. Remet derrière. Pour Élie, devant. On coupe devant le filet. Tire et voilà le but. Les Cataractes prennent les devants. C'est Forget qui marque. 1-0, les Cataractes. Et c'est au mérite, là, parce qu'offensivement, les Cataractes donnent beaucoup de fil à retordre aux Tigres. On cafouille derrière le filet à quelques reprises. Les Cataractes. On a laissé Forget revenir devant le filet, il vient battre Darvaux entre les jambières. Avec 8-17 à faire à la ligne bleue. Sur sa droite pour Pellerin. Pellerin envoie près du filet pour Larose. Larose hésite quelque peu. Tente de remettre devant pour Comnier dans la cave. Super barret de Hamel qui vient voler un but à Gendron. Oh, un vol. Première période. On va revoir cette reprise. Quelle chance ratée. Et il a tiré directement dans la mitaine de Hamel. Il faut donner crédit au gardien, il était là. Aïe, aïe, aïe. Pellerin garde la rondelle, zone adverse. Voilà Cormier qui s'avance. Cormier, son tir, touche extérieur du but. On tente de remettre devant. Et Hamel qui saute sur la rondelle, voilà le but. Tommy Cormier! Il y a un pilote devant le filet. Début de dispute par la suite. On veut s'en prendre à P.O. Roy. On veut sortir P.O. Roy. C'est pas compliqué. On s'est mis à deux sur P.O. Roy là-dessus. Et là, ça va brasser devant le filet. On va aller voir la reprise. Ouais. Parce que je vais être honnête, j'ai pas vu la rondelle. À quel moment ça s'est passé là? Je vois pas comment on a fait pour marquer. La rondelle s'est retrouvée dans le filet, mais j'ai pas vu à quel moment elle est passée. Et là, on s'est mis à deux sur Pierre-Olivier. Il était projeté là. On dit les vraies choses. On voit le double échec qui était là. OK, ça a tout simplement glissé. Oh, mais ça a touché Gendron aussi, là. Ça a touché Gendron. Est-ce que ça a touché Gendron avant de traverser la ligne d'île? Ici, c'est intéressant. Là. On va voir. Non, je pense que ça a touché le patin, mais c'est Gendron dans sa chute, mais il a été bousculé. Ouais. J'ai pas vraiment d'inquiétude. Warren qui s'est avancé, mais c'est raté. Voilà l'assiette qui est rejoint. Ça mène seul de son camp. Refait la rondelle à Tourigny qui vient appuyer l'attaque. Tourigny, mise en échec, passe à l'assiette. L'assiette derrière pour Élie. Voilà le but. Superbe échange. Et c'est 2-1 les Cataractes. On s'est fait endormir ici chez les Tigres. Par deux joueurs. Et là, 4 contre 4. Fait que tu te retrouves à 3 contre 2 quelque part. Ouais. Passe à la pointe pour McKinnon. McKinnon longe la ligne bleue. J'attends quoi? Tire sur réception. Super barret de Darvaux. Et beau tir de Ménard. Ménard tente de remettre à la pointe. Ça a touché un patin. Voilà la dispute entre... Là où ils ont laissé en première période, on est embourbé en fond de territoire du côté des Tigres. Super barret de Darvaux. À la droite, Plamondon de l'autre côté. Son tir arrêté devant le filet par Aguilar qui remet au centre. Pellerin tente de s'échapper, mais il est rattrapé par Plamondon. Prichepov récupère. Prichepov son tir. Arrêt de Hamel. Il n'y a pas de retour. Mais matière à pénalité, on va revoir la reprise. Prichepov, là, qui était... C'était correct, là. Tourigny a tenté de soulever son bâton. 2-3-2 face aux Wildcats de Moncton. Il mène 2-0. Alors, Prichepov tente un tir. Ça glisse vers Pellerin. Il y a une ouverture. Pellerin, du revers, devant. Le raid de Hamel. Superbe arrêt sur le tir de sur réception de Garionov. Ça se poursuit, là. Ah, ben, là, on commence à accentuer le... Mais on ne peut pas apporter de changement. La rondelle provenait de l'extérieur du territoire. C'est comme un dégagement, mais on accepte le changement. Bon, on vient de voir la chance de marquer là, des Tigres. Superbe jeu par la suite, Pellerin. Il s'amène en attaque. La passe dans les patins de Bourque. Bourque perd le disque. Dégagement arrêté par Yacenza. Et c'est Béargent qui vient de quitter le banc des pénalités. Remet devant. Rondelle déviée. Voilà le but. Au retour. Ouais. Alors qu'on venait de retrouver 5 contre 5. Une rondelle qui a dévié. Alors qu'il y a un joueur des Tigres qui est au sol en plus de tout ça. Il va se relever difficilement. C'est Henneberry. Et les Cataractes ajoutent à leur avance. Passe à P.O. Roy. P.O. Roy soulève une passe pour Henneberry qui attendait la ligne bleue adverse sur nom de l'étier. Remise devant pour Larose. Pivote, un tir. Arrêt de Hamel et le jeu s'arrête. On est entré en contact avec Félix Hamel là, par la suite. Par les Tigres.
va reprendre à la gauche de Félix McKinnon. Tire de loin. Arrêt du bout de la jambière par Darvaux. Et c'est Pellerin qui reprend. Voilà les tirs qui s'amènent en attaque. Pellerin s'amène territoire adverse. Tire de loin. Bloqué devant lui par Page. Et voilà le but. Pellerin qui tire de nulle part. Il marque. C'est 3-2. Il a complètement surpris Félix Hamel sur la séquence. Et les tirs vont le prendre rapidement. La jambière. Le gardien Hamel a été complètement surpris. Là, ça promenait du coin de la patinoire. Il y avait encore un peu d'angle, là, mais la rondelle qui est passée devant le gardien. Alors, ça l'a surpris. Ouais. Il s'est appuyé sur son poteau à sa gauche. Et dans le coin, Pellerin à la pointe pour Aguilar. Doit faire vite. Remet vers Warren. Warren pose sa rondelle devant lui. Mise en échec par Klima. Ça glisse derrière le but. C'est devant le filet. Et voilà le but! Juste à la rose! Un rebond favorable. Oh, oui. Et les Tigres créent l'égalité. Deux buts chanceux là, des Tigres en début de troisième période. Oh! Cette rondelle crée l'égalité 3-3. On a un nouveau match. Ouais. Oh. Une rondelle qui est envoyée contre la rampe. Ça a dévié sur l'extérieur du but à la gauche du gardien. Et c'est devenu disponible au pied de Hamel qui n'y pouvait rien. Non, absolument. Et là, on doit tirer là, parce que j'ai l'impression qu'Hamel peut être dérangé. Là. Même si cette fois-ci, il n'y pouvait rien. C'est deux buts rapidement accordés là, par le gardien des Cataractes. On a une jeune équipe également. C'est dans le coin. C'est Etier qui vient s'en emparer. Contourne son filet. Etier par la rondelle. Gorionov, seul devant le gardien, son tir. Arrêt de Hamel. On tente de remettre devant. C'est raté. Et dégagement qui est envoyé à l'autre bout. Rattrapé par Lavigne. Bonnefond qui remet à la pointe pour Plamondon. Plamondon tire de loin. Oh. Arrêt de la mitaine de Darvaux. On n'ira pas plus loin. 1,49 à faire à la troisième. On va reprendre à sa droite. À la droite de Nathan Darvaux, c'est Élie face à Prushepov. Vigneault tente de se défaire de cette pression. Ouais. Vigneault, longue remise, c'est bien capté par Simard qui remet à Gorionov en entrée de territoire. Gorionov refait la Prushepov, il y a une ouverture. Prushepov tire, il y aura pénalité. Oui. On va chasser le joueur des Cataractes pour coup de bâton. Oui, et coup de bâton. Hamel s'est fait mal sur la séquence. En or, oui. Et oui, en avantage numérique. Et c'est un beau jeu là, vers le centre. Gorionov qui a tiré. On revoit la reprise. Oui, on a vu pire. Oui. Et je pensais qu'il y avait un contact avec le gardien. Il n'y a pas eu de contact. C'est vraiment dans son déplacement. Là. On va revoir la reprise de derrière. Sur son déplacement, il a tiré. Tourigny qui est rattrapé par Péroy. Cormier reprend. Il y a une ouverture. 2-1. 3-1. Voilà Pellerin qui s'amène. Passe à La Rose dans l'aile. La Rose devant. Et voilà le but! Non, on dit non. On dit oui. On dit oui. Justin La Rose. La rondelle a dévié. Et les Tigres l'emportent. Ils viennent de voler le match numéro 1. Ouais. On va le dire ainsi. Cette passe de La Rose a dévié et il s'est retrouvé dans la lucarne. Et c'est la consternation au bas des Cataractes. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. On a tenté de remettre devant et c'est Ménard qui a fait dévier dans son filet. Ménard qui, en se retournant, en voulant couper le jeu, il a fait dévier. Et grosse victoire des Tigres qui prenaient devant 1-0. Tu l'as mentionné, ils viennent voler le match. Et on vient de le mentionner, mais ça va faire très mal aux Cataractes qui ont joué. Je pense pas que les Cataractes ne peuvent mieux jouer, en toute honnêteté, là.